Bonjour à tous, une course de dindes aura lieu. Départ à Astrob à l'enclos. Les participants devront passer par la case 11-5, ramasser un objet au sol, se diriger vers une petite flèche en forme de lac, et l'arrivée sera en bas de la petite flèche. Devront ramasser un os en forme de X. Et ça sera le gagnant qui ramasse l'os le premier. Allez, c'est parti! Alors, l'arrivée est ici, où la petite flèche, en moins 10, moins 34. Et celui qui attrape l'os en forme de X, en premier, gagne le million. Alors, le départ de la course, dans 3, 2, 1, go! Alors, analysons la situation. Pendant que les dindes courent à toute allure, est-ce que les participants vont courir jusqu'aux arbres ou est-ce qu'ils vont courir tout simplement vers le bas pour se rendre en 11 moins en 11-5. Je crois qu'ils prendront directement le havresac pour s'y rendre. Ils courront à toute allure. Il n'y a aucune règle. Un participant peut arrêter et prendre un peu de seigle. On ne sait pas, il y en a qui ont faim. Si une dinde a faim, elle s'arrêtera. Les participants courront à toute allure. Prendront l'objet au sol et repartira. Ils prendront certainement l'havresac. Terminera à l'arrivée en moins 10, moins 34. Je dois aller à l'arrivée au plus vite. J'ai un acolyte avec moi. C'est Calista qui dépose les os en 11-5. Moi, je dois vite aller. S'ils sont super rapides, faut que je sois. Normalement, j'ai le temps d'arriver avant eux. Ils doivent faire un arrêt. 11-5, et aller récupérer l'os. Moins 10, moins 34, je dois aller. Là, ça doit courir. Ils sont passés. Je crois qu'ils ont passé direct. Dans l'havresac, ça va être une course de dinde. Ou de dingue. J'espère pour eux que leur dinde a pas trop faim. S'ils font un arrêt, ça va être très difficile de gagner pour eux. Moi, je vous le dis. Faut que je regarde. Je suis ici. Je vais mettre un point. Normalement.
J'ai dit les règles avant l'enregistrement, parce que c'était quand même quelques trucs à expliquer. Mais sinon, moi je trouve que c'est génial. Genre, ça fait ce petit event. J'ai demandé. Il est déjà arrivé? Bon, c'est Mort de Kéké. Mort de Kéké gagné. Il était là devant moi. Incroyable. Oh oui, il l'a. Incroyable. Mort de Kéké qui gagne 1 million. Et voilà. Il a été très rapide. Bon, j'ai donné un petit prix de consolation à Katnabe de 100 000. Il méritait quand même un petit prix de consolation. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de participation. Mais bon, je sais que les autres fois d'avant, j'ai essayé de faire cette course et après 30 minutes, avoir juste deux participants, bon, c'est trop long, je m'en vais. Il partait, donc je fais pas trop attendre. Les gens n'aiment pas attendre trop longtemps, donc j'ai eu deux participants, j'ai pas eu d'autres MP, il n'y a personne d'autre à part les deux. Et j'ai eu Calista qui m'a aidé. Calista avait. Bon, je donnais 300 000, elle avait pas la chance de gagner 1 million, mais c'était 300 000 assurés. Donc bah, je trouve que c'est honnête comme prix. Je me suis amusé, ça me fait rire. Même si c'est pas une longue vidéo, j'aurais aimé que la course soit beaucoup plus grande, beaucoup plus de participants, mais je veux pas faire attendre les autres. Les gens n'aiment pas attendre quand c'est trop long. Donc, ben, tant pis, c'est pas grave, on va se reprendre. Alors, c'était bien cool. Allez, je vous dis ciao.